des pionniers en ce sens que vous êtes les premiers participants de ce festival itinérant qu'on espère bien reconduire chaque année avec différents parcours en France pour fédérer, mobiliser, échanger et discuter sur la transition agricole. Donc aujourd'hui, on accueille le FAT dans cet esprit-là, de se questionner sur comment on fait vivre notre réseau par l'agriculture locale qui est proposée, comment on essaye d'accompagner du coup les projets qui sont locaux, parce qu'on est dans un territoire où le foncier est en difficulté, où les porteurs de projets sont nombreux, mais où cette activité est difficile à monter. Donc sur place, on a structuré un jardin qui est aujourd'hui sous forme de jardin de cueillette, où justement on permet à des agriculteurs qui sont en recherche de terrain d'expérimenter déjà dans un premier temps ici. C'est une idée qui vient du Japon, où notre fils aîné a trouvé cette méthode, la VUST méthode. Et nous avons adapté la méthode aux conditions de travail en Camargue. Et depuis maintenant 2011, nous produisons du riz biologique désherbé par des canards. Alors en fait ici c'est l'oseraie. Donc tout ce que vous voyez là, tout ça, c'est de l'osier en fait. C'est une plante qui a une vigueur incroyable. Il y a des gens qui font des piquets en osier, enfin en saule. Le bois est sec de chez sec. Ils plantent leurs piquets et l'osier repart, refait une plante vivante.